Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui chez Relais communautaire, Christina et chef Boilem. Merci chef d'être ici avec moi encore une fois. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un gâteau au citron. C'est vraiment, vraiment super. Parce que tu sais pourquoi super? Qu'est-ce qu'il m'a raconté, Christina, c'est une recette de sa grand-mère. Ça veut dire quoi, sa grand-mère? Ça veut dire que c'est une époque qui est vraiment, vraiment bien. Il mange santé. Ça veut dire, il n'y a pas de produits chimiques. Il mange santé. C'est pour ça que je veux suggérer d'assister à cette vidéo-là parce que c'est très, très intéressant d'avoir cette recette-là et surtout avec un bon gâteau comme celui-là. À vous, votre mesure, Christine. Alors, ça c'est une recette que je les garde comme ça, j'ai rien ajouté. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu as dit? La recette des grand-mères, c'est depuis 5 ans. Il n'y a pas de levure chimique. Ça, c'est bien. Je l'ai fait naturel, juste les produits naturels, et tu vas voir qu'il va être grand comme s'il avait mis les levures C'est ça. chimiques. Il veut dire que il va être gonflé sans, c'est-à-dire du produit chimique. Rien du Ni tout. carbonat, Rien, 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 rien. rien. Cette astuce-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Juste à Christina qui a cette astuce-là. Je vous suggère d'assister à cette vidéo-là parce que vous avez rigolé et vous avez bien, 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 bien profité pour cette recette-là. À vous. OK. D'habitude, moi, je fais à la maison une recette, mais aujourd'hui, on va faire deux recettes parce qu'on est beaucoup d'employés ici. C'est tout le monde qui va goûter parce que ça sent vraiment bon. Et alors, j'ai mis 20 œufs, deux recettes. Mais je vous donne quand même les ingrédients pour une recette. Une recette, ça veut dire deux contenants comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français. Ça, c'est Un un moule. moule juste pour les gâteaux. Je peux faire même pour les gratins dedans. C'est un moule à polyvalent. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça comme qu'est-ce que vous voulez. Un gratin, poisson, le gâteau, tout. Moi, pour 10 œufs, ça va sortir deux portions comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai préparé 5 parce que pourquoi? Si je viens de faire ça avec de l'huile et après de farine pour que comme ça colle pas. Ça coule Je ne pas, sais pas comment s'appelle ça en français. ça c'est pour mettre La procédure. ça c'est il faut toujours faire ça. Il y a des gens qui font du papier ici, papier cuisson, mais nous on fait pas comme ça. On fait ça pour que juste c'est facile à détacher le moule. Oui, alors j'ai préparé 5 parce que si les œufs sont petits, je mets 12. Je prends un carton, je mets 12. Si les œufs sont grands, on met 10. Alors, pour une recette de 10 œufs, j'ai bien, bien, bien lavé les œufs. Parce que dès que tu commences de les séparer, je ne sais pas comment. J'ai vu des personnes qui séparent par les mains, je ne sais pas comme ça. Moi, j'ai pris de ma mère, de ma grand-mère, je vous montre Tu maintenant vas comment. excuse-moi, Séparer les jaunes de et le les blanc. blancs. Mais c'est par les œufs. Alors, les blancs va passer par ici. Je ne veux pas te prendre C'est le facile micro. une démonstration comment on OK. va faire. Alors, 10 œufs. J'ai dit, je garde la recette de ma mère, de ma On grand-mère. change rien. OK. Pour 10 œufs, c'est 2 tasses de sucre, 2 tasses de farine, à peu près. Mais un conseil, d'habitude, je mets une tasse si vous voulez sucré. Deux tasses. Si vous voulez pas très très sucré, mettez une tasse et demie. Très bien. OK. Pour les farines, la même chose. Je mets une tasse et demie de farine. S'il y a besoin, on va ajouter parce que tu peux pas enlever. D'ajouter, oui. Alors, j'ai mis ici. Je pense que vous avez compris. Il veut dire que si on met 2 tasses de farine, ça veut dire que si on met les œufs avec 2 tasses de farine, tu vois que c'est trop liquide, c'est difficile. Si tu le vois un peu épais, c'est mieux. Mieux qu'il soit plus liquide parce qu'on ne peut pas le mettre après. Si on met après la farine, on met les œufs, on met le sucre, il va devenir gros. OK. La farine, le sucre, et ici, j'ai une cuillère à soupe
de huile, huile régulière, végétale, pour chaque œuf. J'ai mis ici 24 œufs parce que c'est deux recettes, deux œufs, c'est un acide moyen. 24 cuillères à soupe de huile, 3 tasses et demi. Une cuillère à soupe de café ou de soupe? À soupe. OK. Et... cuillère à soupe. OK. Farine bien tamisée. Et ici, c'est l'ingrédient principal, l'aliment. OK? Oui. J'ajoute un limon, deux limons par recette. Deux limons, le jus avec les zestes. Les zestes, je sépare les zestes, mais toujours laver bien avec du savon. Okay. Parce que les limons, ça va passer partout, partout les places, mais il faut les désinfecter bien parce qu'on les mange. Et les jus, on les mélange ensemble. Ça, on va les mettre là. Et maintenant, c'est le temps de commencer. C'est vraiment facile, vraiment facile. Entre-temps, quand on commence de faire ça, la première chose qu'on fait, on ouvre le four. OK, on va allumer le four à 370-375. On laisse chauffer à peu près. Quand on va commencer, il faut laisser une demi-heure de chauffer. Comme ça, quand tu lui mets ton gâteau, directement, il ne va pas prendre beaucoup de temps. Oui. En plus de ça, si on fait le four froid, avec ça, il ne va pas monter. Puis, je ne sais pas comment tu prépares les gâteaux, mais moi, je mets 370-375 degrés pour 10 minutes. 10 à 15 minutes. 15 minutes maximum. On va voir, 10 minutes, on va checker. Si c'est déjà doré, c'est bon, on va lever. Il y a des méthodes pour voir si c'est dedans, si c'est déjà cuit ou non. Je mets un cordon ou bien une pince comme ça, tu vas mettre dedans. Tu le touches direct. Si tu vois le froid, ça veut dire que ce n'est pas encore frais. Mm-hmm. Si tu le mets directement sur tes doigts ou bien sur ici, tu vas chaud, ça veut dire que tu es cuit dedans. OK. On va commencer à séparer les œufs. Voilà. Je ne sais pas, vous, comment vous faites les œufs? C'est comme ça. Il y a des gens qui mettent avec les... Soit la même chose, tu sais? Oui, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui font comme ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait des personnes, mais oui. J'ai pris cette façon de ma mère. Entre-temps, si tu venais aider un peu, me dire quelque chose, un petit secret de les chefs. La cuisine, il faut aimer. Il faut aimer la cuisine. Parce que le gâteau vient à la cuisine, il faut aimer. Surtout à ce moment-là, il y a tout trop. Il y a beaucoup de choses qui sont chères. Il faut faire quelque chose à la maison. Manger santé, économique. Les restaurants, maintenant, c'est devenu cher. Et même les produits. Voilà. D'acheter un gâteau, c'est cher. Un petit gâteau de rien du tout, il te dit 4 pièces, 5 pièces. Moi, je te dis que dans ma famille, toute la famille préfère cette gâteau. Puis aussi, j'ai oublié de dire, moi je vais le faire simple aujourd'hui, mais oui, mais on peut ajouter des noix dedans, on peut ajouter des cacao, des poudres de cacao. Vous pouvez même faire un chocolat fondu qui va mettre comme décoration, un chocolat comme un marbré. Mm-hmm. C'est à vous le choix, c'est-à-dire à vous, qu'est-ce que vous avez à la maison? Pour les marbres, je vais te dire une chose. Nous, on a gardé la recette, avec les limons, oui. Les citrons. Mais si tu veux faire marbre, c'est la même recette, sauf que tu ne mets pas les limons, tu mets le cacao. C'est tout. C'est tout. Mais moi, je veux dire une chose. Pour les enfants, pour aller à l'école le matin, oui. Ça c'est une collation vraiment, vraiment santé, vraiment aromée, et bon pour l'estomac, c'est pas difficile pour l'estomac, c'est pas quelque chose de... C'est digérable. Oui, c'est quelque chose facile. Vous digérez ça facilement. Yeah, exactement. Pour nous, dans les familles, des fois nous on fait ça des fêtes, mélanger, on achète aussi des gâteaux de commerce,
de la pâtisserie. Mais je te dis que des fois, on laisse les gâteaux de la pâtisserie. Ça, se termine les premières. Oui, c'est vrai. Ça, c'est les premières qu'on quitte. OK. Chef, je vais, s'il te plaît, essayer de m'aider un peu. Oui. Avec le robot. Le robot, oui. OK. Parce que moi, je suis invitée chez toi. Je viens avec le téléphone. Je viens avec le téléphone. On met un peu du sel, on n'oublie pas de sel jamais. Salut, Lisa. Okay. Et what? Tu peux mettre un peu du sel. Ok. On le met ici. On va mettre le plan okay. Avant. C'est une truc, tu peux dire pourquoi les mixeurs ne donnent pas très fort. Ah non, sinon il ne va pas monter. Okay. Non. Ça, c'est une truc, tu peux donner à notre spectateur, visiteur, une truc, ce truc. Il ne faut pas mettre le maximum. On va prendre pas mes vitesses. On commence petit à petit. C'est ça. Regarde comment le village va commencer. Le sucre est rigolo. Pour moi, la secret que ma grand-mère m'a donné, c'est tout le temps pour les gâteaux, puis tu les fais comme ça, les blancs. Le secret de bien mélanger les blancs. Si tu le travailles beaucoup sur les blancs, si elle devient comme une mousse, ça va être le succès de la, gâteau, de les gâteaux. Ça va avoir une neige. Comme une neige, oui. On va mettre le sucre maintenant. Non. Tu fais encore plus rapide. Oui, c'est ça. On va laisser faire blanc. Et après qu'il devient blanc, on peut mettre, on peut commencer à mettre le sucre dessus. Il y a une vitesse un peu plus. Non, ça c'est le maximum. Ok. Ça commence? Ah oui. Est-ce que tu fais des gâteaux chez toi? Oh, ou est plus ça, fatigué? En carême, on fait beaucoup de gâteaux. Oui? Oui. Moi, ma femme n'aime pas le particulier de l'extérieur. Mm-hmm. Jamais. C'est tout le temps que ça. Ça commence, oui. Tu peux montrer un peu la texture? C'est le moment que on a tout de suite.
Oui. Correct. Ok, on va se déplacer ici, chez nous. Donne-moi la caméra. Sur la table. On va enlever. Avec lui. Oui. Est-ce qu'on a une spatule ici de plastique? Écoute, l'autre truc que j'ai appris de les femmes qui sont. De les femmes qui sont. Plus expérimenté. Non, je ne vais pas perdre ça. Hein? Non. Moi, je vais montrer une chose. Yeah, dis-moi quoi. Quand vous faites ça, vous dites comment, est-ce que c'est prêt ou pas prêt? On va faire comme ça. Check. Mm-hmm. Oh. Ton pas. Ça veut dire qu'il est très, très beau. Oui, très, très beau. Attends, je vais ramener quelque chose pour enlever ça. Oui. Un autre truc que j'ai pris des femmes qui sont bonnes en cuisine, quand je fais la, avant je faisais, j'ai changé, la, je faisais d'une autre façon les gâteaux. J'ai utilisé le robot, même pour les farines, pour les œufs, pour tout ça. Mais non, c'est pas bon, hein? Parce que des fois ça m'a brisé la texture. Balem, tout s'est passé pour toi? Quoi? Vous enlevez ça? Oui. C'est assez. C'est assez. Ok. On va laisser pour Oui. Ok, je vais laver un peu mes mains. C'est ça que je viens de te dire. Avant, je faisais comme ça. J'avais mis tous les ingrédients pour les robots. Mais maintenant, j'ai changé. Parce que, regarde, maintenant, on met les œufs. La même caméra ici. Hein? La même caméra ici. On le voit. Tu vois? Oui. Je pense que, oui, merci. Si tu veux, avec une. Mais c'est correct même pour ça. Ok, bon. Non. Ok. J'aime prendre comme ça. Je mets de l'huile. Une fois que tu as préparé tout ça, c'est facile de juste les mélanger et les mettre au four. Mais comme ça, ça va t'aider beaucoup. Regarde comme la texture est bonne. Super. Même si on n'a pas encore ajouté la farine. Mais ici, c'est un truc qui m'a fait tromper plusieurs fois. J'avais pensé qu'il est assez pour le mettre au four, mais non. J'ai pas mis beaucoup de farine. C'est ça le truc. De en bas à haut. C'est ça.
Et comme ça, ça va aérer, ça va bien mélanger la farine. Ça va tomber un peu. Oui. L'air qui rentre dedans. C'est ça. Tu peux prendre aussi? Oui. Ah, c'est de toute beauté ça. Ça unit la farine? Oui, mais pas toute. Je vais voir si on a encore besoin. Je peux le. Oui. Oui, je vais le sentir. Comment c'est correct? Comment on va voir le, si c'est si, dur. Okay. Arrête. Est-ce que vous allez encore le passer dans la machine? Non. J'ai le faisceau ici. Ah, ok. Dès que c'est fini, dès que vous avez fini de mélanger les œufs, le sucre, on va remplir les moules. Machine, on va remplir les moules. Pour ajouter après la farine, les œufs. Puis après ça, vous remplissez les moules, vous le mettez dans le four. Oui, c'est tout. C'est tout. Oui. Ah, c'est facile, hein? C'est quand même très facile. Tu peux faire ça, tu peux essayer ça à la maison, toi? Mais j'ai pas de mixeur. On va te prêter, hein? juste pour faire. Ok. Est-ce qu'on peut le mettre dans le container? Oui. Bon, c'est ça. Excuse-moi. Viens parler à toi. Tu vois? C'est ça la texture, bon. Qui ne coule pas. C'est ça. Ok. Il ne faut pas que ça coule. Si ça coule, ça veut dire que. C'est pas encore prêt, c'est ça? Ok, je mets juste ça. Il va gonfler, hein? Oui. Je mets encore. Faut pas le remplir? Non, il faut pas le remplir parce que elle va se gonfler. Tu sais qu'il faut laisser une petite. Et ça, c'est une autre. Il a dedans. Il va prendre sa place. Mais c'est, pour moi, c'est un peu difficile que est beaucoup et grand comme ça. C'est d'une grosse quantité. C'est pas tout le monde qui est habitué de faire ça. C'est plus facile de faire 10 à la fois. Mais pour les chefs, pour les cuisinières, on n'a pas le temps de faire 10. Alors, on va faire 20 à la fois. Ça, le temps va être évalué plus. Ok, on va voir les autres. Non, c'est correct. On va ajouter ici, là, par exemple, là, il peut avoir plus que ça. Vous allez faire quoi avec le reste? Pas de reste. Il n'y en a pas? Vous avez tout quitté? Waouh! Ça fait une bonne quantité. Hein? Ici, attends, si on met le. Ici, ça va rentrer plus, c'est sûr. Ici aussi. C'est bien que j'ai mis 5, hein? Avec ça, c'est bon. Oui, avec ça, ça va être correct. Si, tu as fait un bon calcul, hein? Parce que j'ai fait ça à la maison, ça c'est le. Comment ça s'appelle ça? Le. Non, celui-là, je l'ai apporté de la. Les moules. Ah, les moules, oui. Chef m'a dit, on a ici des moules. Je sais, oui. J'ai dit oui. Mais c'est mieux de faire la mienne parce que je sais la quantité. Oui. Ça, c'est tout. Ça, c'est deux morceaux de gâteau si tu les jettes. Deux fois rien. Oui, c'est correct. Deux fois rien. Croyez-moi, c'est deux fois rien. Oui, il y a beaucoup de gens qui goûtent comme ça. C'est sucré. Comme ça, on va les mettre sur le four. On les laisse 10-15 minutes. 375 degrés. Et après, on baisse à 350.
c'est tout. Mais n'oubliez pas, après que vous sortez les gâteaux de la poudre, il faut les laisser froidir. On ne le coupe pas quand il est chaud, 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 parce que ça va devenir, comment c'est dit en français? Cuire, pas cuire. Si on coupe chaud, c'est pas beau. Laisse-le froidir, quand tu coupes, ça va devenir bien, 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 bien. Okay. Surtout, pour savoir si c'est mieux. Ok, ça c'est tout pour aujourd'hui. On va faire une photo des gâteaux. On va le mettre sur notre site à côté de la recette. Puis ça c'est tout. On est désolé vraiment parce que vous ne pouvez pas goûter avec nous. Mais je vous encourage de faire à la maison parce que ce n'est pas difficile. Quand il va finir, on va faire filmer, on va les voir couper, on va les voir. Nous, on goûte, on va dire si c'est beau ou pas beau. Mais soyez sûr que c'est vraiment, vraiment beau parce qu'il a une odeur super. Mm-hmm. Un, deux, c'est économique. Deux tasses de sucre. Deux tasses même de farine. Même pas deux tasses, une tasse et demie. 10 œufs, tu vas faire 5 grandes quantités pour manger peut-être 15 jours. Vraiment, je vous suggère de faire ça à la maison parce que c'est vraiment, vraiment beau. C'est des fois qu'on achète un spécial des œufs. Pour moi, ça a passé plusieurs fois. Il me reste, après les dates d'expiration, pas beaucoup de jours. On ne peut pas manger 10 œufs à l'omelette. Alors, je fais un gâteau. C'est ça. Et comme ça, tout le monde est content. Moi, j'ai utilisé les œufs. Les enfants mangent les bons gâteaux. C'est bon. Merci. Ben. Merci beaucoup pour aujourd'hui. On vous encourage de laisser les messages, de laisser les commentaires. C'est peut-être vos commentaires, si c'est bon, c'est pas bon. Ça nous encourage même le commentaire. Comme ça, ça nous encourage d'améliorer les vidéos à l'avenir. Oui. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye. Au revoir. À la prochaine.